aujourd'hui. Merci. Elle me pousse dans mes oreilles. En fait, elle me dégratouille. Tout à l'heure, je suis en train. Tout à l'heure, je la gratte. Elle va faire l'intro avec moi, c'est pas grave. Du coup, je disais que on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera donc un cours avec Pin-Up. Hein. Maintenant, je vais monter quasiment que elle, donc c'est plus trop une surprise. Oh mon bébé. Et du coup voilà, donc je pense qu'on va sauter comme d'habitude. Et voilà. Quand... Mais Pin-Up, tu vas m'écraser là. Quand je ferai mes montes libres, j'essaierai de faire des petites vidéos de temps en temps. Mais rien n'est sûr. Mais les poils qu'elle perd, c'est ouf. Voilà, rien n'est sûr hein, parce qu'il n'y aura personne pour me filmer parce que je vais faire mes montes libres le vendredi. Parce que j'ai pas le choix de faire vendredi. Et du coup. Voilà quoi, donc j'essaierai de faire comme je peux. Ah mon petit bébé, oui. Du coup voilà. Bah elle est pas là, ah si elle est là. Mon bébé. Ça va petit chat? Attends, j'arrive. Regarde. Oula, les carottes. Donc, elle est belle, ce bébé là. Allez, regardez comment elle perd ses poils. Donne-moi ça. C'est bien, tu ressembles de moins en moins à un ours. C'est séance gratuite là. Oh là là. Regardez les poils. C'est abusé. Et on est qu'en février, c'est ouf. En même temps, il fait une chaleur. Là, je suis en pull, mais je vais l'enlever parce que j'en peux plus déjà. Non, mais s'il vous plaît! Elle même, je gratte les fesses, regardez comment. Je sais pas si on va bien se rendre compte de sa position. Elle a une position super drôle. Elle gratte les fesses! Oh là là, ma beauté! Elle me fait trop rire. Genre dès que j'arrête de la gratter, elle se rapproche de moi pour que je la gratte. C'est trop mignon. Ah, je vais faire l'autre côté. Elle sait se faire comprendre, celle-là. Hein. Pour vous expliquer un peu la séance, donc déjà pour commencer, c'était une très très bonne séance, un très bon cours, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'était une séance type Hunter, donc dans un premier temps on devait rentrer au trot sur la ligne et rester au trot, et après on devait rentrer au trot et faire 4 foulées pour aller sauter le vertical, réceptionner sur le pied gauche, voilà, donc on a fait ça. Et après, dans l'enchaînement, ben, on devait rentrer au trot sur la petite croix, 4 foulées, enfin, rester au galop, 4 foulées verticales, réception à gauche, saut de puce au galop. Donc vous allez voir que le saut de puce avec Pin-Up, je galère tout le temps, vraiment tout le temps, c'est abusé. Voilà, donc après il fallait réceptionner sur le pied droit. Et après on avait du coup 2 obstacles isolés pour finir, et enfin voilà, c'était vraiment une très bonne séance, donc je suis très contente.
Oui. Maman. Oui. Je t'écoute, hein. Il est pas là, mais ça. Si. Ben, il est pas revenu. Hein. Oui, ben, écoute. Il est dans son camion, il est pas revenu. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais avant de commencer à sauter, on a d'abord fait une ligne avec 3 barres au sol et on devait les passer au trot en étant bien au milieu. Voilà, ok, on travaille.
Alors, tac, tac. Tac, et on va prendre un petit bout de liquide. C'est bien, mon bébé. Moi, franchement, ouais, ça va, elle croque, elle. Pour la bouche, par contre, elle est handicapée des pieds, mais elle n'est pas handicapée de la bouche, ça, c'est sûr. Après la séance, comme vous avez pu le voir, bah, je me suis occupée d'elle. Voilà, je lui ai donné ses friandises, je l'ai un peu brossée. Et avant de la ramener, je l'ai un petit peu faite brouter. Arrêter à tous les trucs là. Il n'y a rien là. Bon, du coup la séance terminée. Je ramène la plus belle à son parc. Il faut que je lui remette la couverture. Sauf que vu que j'ai eu la flemme d'aller la chercher tout à l'heure, eh ben, je dois la remettre dans le noir. Donc ça va être assez compliqué. Mais bon. Bon, j'ai réussi à lui remettre la couette, non sans mal, hein. Franchement j'ai galéré, parce que bah il fait nuit, j'ai le flash dans une main et tout, donc c'était compliqué, en plus elle mangeait, donc du coup, pour attacher devant là, c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai réussi, voilà, et du coup je la revois vendredi, parce que du coup j'ai ma première montre libre avec elle, donc je sais pas du tout encore ce que je vais travailler, mais ce qui est sûr c'est que j'allais faire un, enfin s'il fait beau, j'allais faire un petit tour accru, tout le tour du cross donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, de liker, de commenter et de partager. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.